Franz Streichler des Young Gods et vous êtes sur les araignées. Tu nous expliques un peu votre parcours, ce que c'est que ce concert en acoustique, comment vous en êtes arrivé là? Alors effectivement, pour tous ceux qui découvrent le groupe ce soir, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais ce sont des versions acoustiques de morceaux qu'on avait déjà sortis, qu'on a déjà composés par le passé. Donc c'est une espèce de, comment dire, réarrangement de choses avec des instruments acoustiques. Nous on vient, pour dire les choses simplement, du rock avec les machines. Donc c'est des fois catalogué comme industriel ou comme ça, mais on a un son qui est beaucoup plus frontal, beaucoup plus fort, c'est plus physique, c'est une expérience en concert. Et là, on essaie de chercher autre chose, de créer une certaine intimité, parce que de toute façon, nous, c'est la même musique, mais c'est pas forcément facile de la capter avec différents angles d'approche. Donc, cette tournée qu'on est en train de faire, l'album qu'on a sorti l'année passée, là, Knock on Wood, il s'agit de ça. C'est-à-dire que on a réarrangé ces morceaux qui, la plupart du temps, étaient faits justement en machine. Il y a toujours un batteur live, Bernard qui fait les percussions. Lui est toujours batterie acoustique. Alain, dans la formation normale, il fait du clavier qui est relié à un sampler. Donc, même les guitares électriques et les basses, il les joue au bout des doigts. Mm-hmm. Moi, je fais que de chanter. Donc, on a ce qu'on appelle un power trio. Et comme je disais, c'est assez volcanique. C'est une boule de feu, ça dégage, c'est un autre trip, mais c'est la même musique. C'est très psychédélique quand même. On joue avec l'association mots, sons, on essaie de créer un peu un nouveau langage. Mais par contre, ce soir, puis ce qu'on fait maintenant depuis une année, c'est dans un autre cadre, c'est aussi une fois. Des soirées plus intimistes, des fois assis, des fois debout, en public, c'est moins frontal. When you speak about love, cause love is the spark lost in the dark, too soon, too soon. Alors ça s'est fait en plusieurs parties en fait. Ça fait là on est à la moitié d'une vingtaine de dates françaises. Mm-hmm. On a fait une quinzaine au mois de novembre passé, puis on a pas mal de monde encore pour en faire d'autres. Donc vous allez rallonger? Je pense qu'on va rallonger, mais plutôt en automne. D'accord. Là on fait jusqu'à la fin du mois de mars. Petite pause, on retourne à l'électrique au mois d'avril. Mm-hmm. On fait un projet de fou. Je vais t'en parler parce que c'est pas trop loin. C'est aux arènes de Fourvière. Ouais. Ce sera le 19 juillet. Et ça, c'est un travail où on fait une relecture justement du film de Woodstock. On a joué un morceau sort, celui de Richie Heaven. Alors là, c'est un peu multimédia. On projette le film, le documentaire sur le festival. Et on joue avec. D'accord. Des fois on fait des reprises, notamment Richie Heaven, des fois on remixe la bande du film, on illustre aussi de manière musicale, des fois des passages qui sont pas des groupes qui jouent, mais des tranches de vie du festival. Et puis ça dure à peu près une heure et demie, c'est une espèce de, entre guillemets, réactualisation de ce film, parce que c'est les 40 ans justement, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup influencé quand on était gamin. Et on avait envie de recontextualiser ça en ce moment. Il y a un parallèle intéressant entre comment cette génération-là, que en ce moment c'est un petit peu la mode, surtout l'année passée, toi, de dénigrer mai 68, les filles, tout ce truc. Mais c'est intéressant de voir comment ces gens-là se mobilisaient et réagissaient par rapport à une situation sociopolitique qui est finalement relativement
proche de ce qu'on vit depuis 2003 avec la guerre en Irak et à cette époque la guerre au Vietnam. Et c'est les points d'interrogation qui sont intéressants de se poser. D'accord. Et ben en tout cas, je pense qu'on sera au Théâtre de Fourvière. Alors, 19. Au 19 juillet. 19 juillet. Sans problème. Ouais. C'est un chouette projet. C'est un super lieu en plus. Bien, ben merci. If you don't know where to go, just follow the shadow. Tell it to your brother and the voice in the river.